Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais essayer de corriger l'examen DS de droit. En fait, ce support-là, donc je vais le partager avec vous dans la barre de description. Vous allez trouver l'examen corrigé. En fait, je l'ai corrigé. Donc on va essayer un petit peu de discuter ce que j'ai écrit, en fait. Donc le cas, c'était le cas de Aisha et Hicham. Ils ont conclu un contrat de vente de farine biologique. Aisha, il a acheté, il veut acheter de la farine biologique pour sa boulangerie. Et il s'est convoité. Donc Aisha et Hicham se sont mis d'accord sur une quantité de 500 kg que Hicham va livrer chaque mois pendant 2 ans. Donc c'est ça l'obligation contractuelle que crée le contrat. Et puis, 6 mois plus tard, il s'est avéré qu'il y a un parasite qui a touché la récolte et qui a fait en sorte que Hicham ne pouvait pas livrer les 500 kg par mois. Donc, il est impossible de livrer les 500 kg. Seulement 300 kg qui possible à livrer. Aïcha. Donc Aïcha, il est dans une situation très perplexe, une situation un peu difficile, parce qu'il devrait bien sûr compenser les 200 kg restants en achetant ça d'un autre fournisseur. Et voilà, Aïcha, elle a décidé bien sûr d'envisager des poursuites contre Hicham parce qu'il a manqué justement de ces obligations contractuelles. Voilà, c'était en gros le cas. Le cas là, le terme, comme vous pouvez le lire, stopper la vidéo et le lire. Expliquer et caractériser le contrat conclu entre Aisha et Hicham. Donc il s'agit d'un contrat, bien sûr, de fourniture de la farine biologique. Ces caractéristiques, il y en a beaucoup. Donc j'ai écrit aussi synallagmatique, à titre onéreux, bilatéral, à exécution successive. Donc, et c'est aussi, c'est un contrat qui est formel parce que c'est un contrat écrit, c'est un contrat qui est non authentique, c'est-à-dire que c'est un contrat socio privé parce qu'il n'a pas nécessité la présence d'un officier public pour la conclusion de ce contrat. En fait, et les autres, bien sûr, les autres caractéristiques que j'ai citées dans la correction. Alors, je cite bilatéral parce que c'est un contrat qui relie deux parties, que ce soit en l'occurrence Hicham et Aisha. Montrer que ce contrat est légalement valide. Alors pour ce genre de questions, je préfère faire ce qu'on appelle le syllogisme juridique. C'est-à-dire quoi? Il fallait rappeler le principe d'abord, rappeler le coup, puis appliquer ça sur votre cas. Par exemple, montrer que ce contrat est légalement valide, il faut rappeler le principe. Vous dites: en principe, pour qu'un contrat soit valide, il doit remplir 4 conditions de validité. Capacité juridique, validité de consentement, objet déterminé et cause licite. Et puis, vous allez appliquer dans ton cas. Dans notre cas, Hicham et Richard ont la capacité d'exercer ce requis pour conclure un contrat. Il n'y a aucun vice de consentement. L'objet du contrat est réel et déterminé, parce que c'est la farine biologique, et la cause est licite. Et puis, vous allez écrire, donc, ce contrat est valide. Voilà. Ce contrat est valide. Voilà. Voilà, c'est ça la réponse qui est structurée. Ça, la structure de syllogisme juridique. En principe, dans notre cas, et donc. Donc, on va essayer de pratiquer ça en classe à moult reprises pour qu'on puisse bien sûr l'apprendre et bien sûr le faire installer dans notre cerveau. Classer dans le tableau 1, le tableau numéro 1, les obligations contractuelles de notre part. Donc, Aïcha, c'est la créancière, il a une obligation selon l'objet. Alors, un petit rappel, l'obligation selon l'objet, il y a de faire, de donner, de ne pas faire. De donner, c'est-à-dire de livrer quelque chose ou de donner de l'argent. De faire, c'est rendre un service. De ne pas faire, de ne pas dire quelque chose, en fait, c'est ça.
Alors pour les deux, Aïcha, ils ont les deux une obligation de donner. Les deux données pour Aïcha parce qu'elle va donner le, elle va verser le prix de l'appareil biologique acheté et Hicham, il va livrer l'appareil vendu. Et pour les faits, on a dit que pour les faits, soit obligation de résultat, obligation de moyens, c'est seul le débiteur qui a cette obligation-là. Dans notre cas, le débiteur, c'est Hicham, donc l'obligation de résultat, parce que Hicham, il est obligé de livrer la quantité fixée dans le contrat qui est 500 kg. Voilà, c'est clair, c'est pour la deuxième question, c'est clair. Alors, je rappelle, chaque bonne question a deux points. Aïcha peut-elle engager la responsabilité civile contractuelle de Hichem, si oui, à quelles conditions? Toujours le syllogisme juridique. En principe, chacune des parties du contrat pourrait engager la responsabilité civile contractuelle de l'autre partie en cas de manquement d'obligation, bien sûr. Qui dit engagement, qui dit engagement de responsabilité, dit manquement d'obligation. Donc, je ne pourrais pas parler de la responsabilité sans qu'il y ait le manquement d'obligation. Donc, en principe, alors, chaque partie du contrat, chacune des parties du contrat pourrait engager la responsabilité de l'autre partie en cas de manquement d'obligation. Dans notre cas, Vigel a manqué d'obligation de résultat envers Aïcha. Donc, Aïcha, donc voilà, et donc voilà, Aïcha, donc, Aïcha, très bien. Aïcha peut engager la responsabilité contractuelle de Hicham. Alors, c'était ça la première question. Deuxième question, c'est oui, à quelles conditions? Parce qu'il y a ici deux questions imbriquées. Alors, en principe, en cas de manquement de responsabilité civile contractuelle, en cas d'engagement de responsabilité civile contractuelle, trois conditions vont être remplies pour sa mise en œuvre. Les trois conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle. La faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans notre cas, Aïcha doit prouver que, suite au manquement d'obligation de Hicham, que elle, Aïcha, subira un dommage. Donc, il va demander, donc, Aïcha, donc voilà, on va écrire, donc, Aïcha va demander la réparation. De réparation des dommages subis. Voilà. Voilà. Alors, pour la cinquième question, Hichem peut-être s'exonérer de sa responsabilité, donc toujours le syllogisme. En principe, pour s'exonérer de la responsabilité, la partie engagée, parce que qui va s'exonérer de la responsabilité, c'est la partie engagée dans notre cas. La partie engagée, c'est Hichem. Donc la partie engagée doit prouver au moins l'un de ces trois événements. Les trois événements, c'est soit la force majeure, soit fait d'un tiers, ou faute de l'époux. Alors dans notre cas, Hichem pourra justifier le manquement de ses obligations en avançant qu'il s'agit d'un parasite, qui est un événement majeur qui a endommagé sa récolte. Cet événement était qualifié, pourrait être qualifié de force majeure, irrésistible et improbable. Et donc, Hichem pourrait être exempté ou voilà, je vais écrire exempté de sa de la responsabilité contractuelle. Alors, je vais corriger tout ça. Bien. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, le syllogisme, c'est en principe dans notre cas et donc. Voilà. Voilà, c'est pour le premier document, elle a 10 points. Deuxième document. Donc, le deuxième document, c'est un document très simple. Il s'agit d'un homme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la création d'entreprise. Il a créé une société appelée Dali Food à Casablanca. Il s'est associé avec Jalen et chacun apportait quelque chose. L'objet de cette société, c'est qu'il prépare des repas bio
fait maison avec des méthodes culinaires, des préparations gastronomiques culinaires. Culinaire, c'est cuisine, c'est-à-dire cuisine ancienne, ancestrale. Et puis, toutefois, donc après quelques mois de travail, Omar, il a été surpris de savoir que Jalal n'a pas, au moment de la conclusion du contrat, n'avait pas la capacité d'exercice pour signer un contrat de société. Et du coup, c'est une information que Jalal n'a pas voulu, bien sûr, la révéler. Voilà, c'est ça, voilà, le cas. Relevé quatre attributs juridiques de la société Barry Food, donc nom commercial Barry Food, capital 500 000 dirhams, vous allez bien sûr faire tout, plus 100 000 dirhams, plus 150 000 dirhams, plus 50 000 dirhams, plus 200 000 dirhams, voilà, plus 500 000 dirhams pour trouver. La société a commencé avec un capital de 500 000 dirhams, et voilà, c'est 500 000 dirhams. Je sais pas, est-ce que moi j'ai changé quelque chose dans cette présentation? Je pense que c'est pas le cas, vous avez, mais bon. C'est 500 000 dirhams, la nationalité c'est marocaine et ses sociétés c'est Casablanca. Montrer que le local et les fonds apportés par Omar font partie de son droit réel. Alors je vais revenir à la sixième question parce que beaucoup parmi vous n'ont pas arrivé à déduire la nationalité parce que déjà une société qui s'installe au Maroc, donc c'est une société marocaine. Alors une société installée au Maroc. Une société marocaine. Donc, la nationalité de la société, c'est marocaine. Et déjà, la société, c'est une personne morale. Une personnalité juridique morale. Montrer que le local et les fours apportés par Omar sont partie de son droit. On a dit que le droit, il existe deux types de droits dont une personne pourrait bénéficier. Droit patrimonial, extra-patrimonial. Les droits patrimoniaux, ce sont des droits, soit sur une chose, comme, par exemple, j'ai une voiture, j'ai un PC, ou bien droit de créance. Par exemple, j'ai une garantie, j'ai un chèque. Et alors, droit réel, c'est un droit qui me lie à une chose. Droit de créance, c'est un droit qui me lie avec une autre personne. Voilà. Ici, c'est un droit réel, tout simplement parce que la relation qui existe entre le four et Romain, parce que c'est les fours, le local, c'est la propriété de Romain. Donc, Romain a un droit. Un droit sur ces deux choses, le local et les fours. Ces deux choses, bien sûr, sont évaluables en argent parce qu'on a dit que les droits patrimoniaux, que ce soit droit réel, droit de créance ou droit de propriété intellectuelle, ces droits-là sont évaluables en argent. Donc on pourrait les évaluer. C'est la même chose pour le local et les fours. Donc Romain a un droit patrimonial réel sur le local et le four. Après avoir connaissance de l'incapacité temporaire de Jalal, Omar peut-il demander la nullité relative du contrat? En principe, un contrat nul, si l'une des conditions de validité n'est pas satisfaite. Donc, si une des conditions n'est pas satisfaite. Dans notre cas, Omar pourrait demander la nullité relative du contrat car Jalal n'a pas la capacité d'exercice. Du moment que tu n'as pas la capacité d'exercice, il s'est avéré que tu ne pourrais pas exercer et conclure de contrat. Identifier la source du droit applicable pour chacun des cas suivants, parce que la règle que l'homme doit hériter doublement, c'est le droit musulman ou le Coran. L'interdiction de griller le feu rouge, c'est le code de la route ou la loi. L'interdiction de filmer des gens en permission, bon, c'est la loi. Et l'arrêt de la Cour de cassation, pour clarifier les causes de mobilité dans le contrat. Lorsque j'ai dit Cour de cassation, c'est la dernière cour, donc, c'est la dernière classification de la juridiction marocaine, l'Ahkam. Et bien sûr, si l'Ahkam, si la Cour de cassation a clarifié une loi, donc il publie ce qu'on appelle un arrêt. Donc l'arrêt, ce qu'il publie, ça s'appelle la jurisprudence. Ce sont l'ensemble des décisions rendues par la Cour de cassation. C'est une décision en fait. Alors, l'étagère et les récipients utilisés par la société d'argent du classique, c'est que meubles immeubles. Alors, bien sûr, les biens meubles qui sont affectés à l'exploitation commerciale sont considérés par le droit marocain comme étant des immeubles par anticipation. Qu'on les biens meubles
faire une exploitation commerciale sont appelés comme des biens immeubles par anticipation. Pas généralement, c'est un bien qui est meuble, mais il devient immeuble parce que cet agent-là, il va être bien sûr mis pendant longtemps dans ce restaurant, il va rester dans ce restaurant. Même une table, une chaise, donc ils vont rester dans cette exploitation commerciale. Donc ils vont devenir des biens immeubles par anticipation par le droit marocain. Alors, je voudrais revenir à un point qui est très très important, celui des gens qui ont écrit qu'il s'agit d'un dol dans le cas de Richard. Donc, il ne s'agit pas d'un dol tout simplement parce que ça n'existe pas d'indice de consentement dans ce contrat. Ce contrat est valide. Et déjà, lorsque je vous ai dit montrer ce contrat est valide, donc c'est un contrat valide. Lorsqu'un contrat est valide, ce qui est valide, il n'y a pas un indice de consentement. S'il n'est pas valide, à ce moment-là, vous pourrez bien sûr voir les conditions de la validité. Mais dans ce cas-là, de Hicham et Hicham, il y a un manquement d'obligation. Il y a une différence entre manquement d'obligation et validité d'un contrat. Le contrat est valide, mais il y a un manquement d'obligation au niveau de ce contrat-là. C'est-à-dire que une des parties de ce contrat n'a pas, bien sûr, honoré les obligations contractuelles. À ce moment-là, si tu n'as pas honoré tes obligations contractuelles, je vais engager ta responsabilité, bien sûr, et je vais demander, bien sûr, la réparation. Tout simplement. Et l'autre partie, bien sûr, engagée, pourrait, bien sûr, justifier et prouver qu'il s'agit, bien sûr, des événements autres qui ont forcé la partie engagée à ne pas honorer son obligation, que ce soit force majeure ou financière ou faute de liquide. Mais ici, c'est clair qu'il s'agit d'un manquement d'obligation de la part de l'Égypte, et c'est clair qu'il s'agit, bien sûr, d'une situation de force majeure, parce que le parasite, on ne pourrait pas le contrôler. C'est un événement incontrôlable. On ne pourrait pas le contrôler. Voilà. Alors, j'espère que l'explication est claire. Alors, je vais le mettre en barre de description. Je vais le mettre en barre de description. Je vais parler bien sûr pour le francophone. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit dans mon compte WhatsApp, soit laissez en barre de description ou en barre de commentaires. Alors, je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Salut.